Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel Command Block. Et cette fois-ci, on va faire un truc que vous avez voté en masse. Il y a eu plus de 50% des votes qui étaient pour. C'était comment faire des mouvements d'entité ou une scène animée prédéfinie dans Minecraft. Donc en gros, on fait une action et ça lance toute une sorte de cinématique. Donc ça, vous étiez beaucoup à voter ça, donc c'est cool. Encore une fois, les propositions et donc le vote pour le prochain épisode sont dans les description. Je vous invite à voter tout de suite. Et nous, on va commencer avec le tutoriel. Donc simplement, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous apprendre, c'est comment faire pour faire donc justement une suite d'actions prédéfinies qui ferait, qui au final rend quelque chose, qui range une cinématique sans qu'il y ait 30 milliards de camp blocs avec des repeaters et que ça lance telle ou telle action à tel ou tel moment. Donc les blocs d'initialisation, on n'a pas grand chose, on a juste deux scoreboards. Un qu'on a appelé cinématique et un qu'on a appelé craft. Craft, c'est tout simplement pour faire la détection, donc il n'est pas vraiment utile. C'est parce que moi j'utilise une détection via un craft, via un floor craft en gros. Et le cinématique, c'est vraiment celui qu'on va utiliser. Donc là, on a tout simplement, ça c'est des blocs, les deux blocs qu'on a nécessaire pour avoir notre petite fille clock qui est ici. Et donc on va voir ici, bon ça on verra après, c'est plus un des commandes blocs les plus importants en tout cas à comprendre. Ici on va d'abord, en fait on va faire un craft qui est avec un armor stand et non, faut pas que je l'aide, et des boots, diamond boots, voilà. Et vous allez voir que on va set à tous les entités de type item, on va setter le scoreboard craft donc à 1 si tous les items qui sont de armor stand, et à 2 tous les items qui sont diamond boots. Ce qui fait que si on fait slash scoreboard objectif set display sidebar craft, je les ai pas créés évidemment. Voilà, ils sont créés. Scoreboard objectif set display sidebar craft. Voilà, vous allez voir que oui, puisqu'on a, bon, on a autre chose aussi, mais on va voir ici voilà, si on a quand on jette les boots, ça met un truc à 2, et quand on jette l'arme en centre, ça met à 1, et donc voilà, on a les deux, tout se passerait bien. Voilà, on a nos deux items, et une fois qu'on a testé ça, bon ça c'est vraiment ça c'est le floor craft. J'ai refait une vidéo dessus parce que j'avais fait une ancienne vidéo encore sur du craft dans un dispenser, et j'ai fait une vidéo sur le floor craft il y a pas très longtemps d'ailleurs, donc je vous mettrai le lien. C'est vraiment tout con, donc enfin bref, dans tout cas ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire spawn un armor stand ici. Enfin c'est pas ça qui est le plus important, c'est le résultat. Sur ces deux items, on va faire spawn un armor stand. J'ai fait aussi pour la cinématique, j'ai fait ça, mais après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vraiment à vous de choisir. Moi j'ai fait un petit armor stand avec des bras, tout plein de trucs, custom name, vulnérable, custom name visible. D'ailleurs custom name visible, on pourrait ne pas le mettre, mais bon je vais le laisser pour vous. La rotation, la pose, l'equipment, il a une potion, il a tout ça. Voilà, j'ai mis ma tête. Là on fait un play sound une fois qu'on a crafté des particules et on kill les deux items, ce qui fait que je vais pas vous montrer le craft parce qu'après il y a la cinématique qui se lance en fait, mais si en vrai si je fais bah non, même pas, ça va pas marcher. Mais voilà, et donc ça c'est tous les scoreboards qui permettent de faire le craft, et en fait ça va être notre détection. Dès qu'on va avoir ça, ça va crafter l'item en fait, et quand on aura ça, enfin, ça va summon un armor stand, et après on va effectuer ça par rapport à l'armor stand qui s'appelle donc cinématique, rappelez-vous en bien. Voilà, donc là on a trois trucs intéressants. Ces trois armor stand, ces trois grand blocs sont très très importants aussi. Ça c'est bon, celui-là un peu moins. Ce grand player add, en gros, à tous les là on va faire pour scorecraft min 1, et enfin en gros pour tous les items qu'on le merde, putain, du coup ça a lancé le truc, ça a tout cassé, vous avez vu. On va reprendre armor, voilà. En fait, à tous les items qui ont les values du scoreboard craft à 1 ou 2, on va leur ajouter 1 par, enfin à chaque fois que ça scoreboard block est activé, donc 1 par tick, par tick de la fille clock, donc en gros 20 par seconde, on va leur ajouter 1. Et ici 1, c'est tout simplement pour tempo et pas que quand parce qu'en fait on fait une détection quand les deux, ça j'aurais dû mettre dans le floor craft, en fait c'est une amélioration du floor craft, mais bon tant qu'on est là je peux vous le montrer. Si je mets pas ça, ça fait que en gros dès que cette l'armor stand là qui est ici sera dans un rayon de 1 par rapport à cet item là, va faire le craft. Et
Bon, c'est pas très dérangeant, hormis le fait que du coup le craft se fait instant et c'est un peu moins propre. Mais c'est, là, c'est, si dans ce cas-là c'est dérangeant, puisqu'on fait spawn un arbre stand, donc si le craft se déroule en l'air, ça dépendra de quelle team on a jeté en premier, mais il se peut que l'arbre stand spawn à moitié en l'air et tout. Donc là, vu qu'on voit une position fixe, on est obligé de faire ça. Ça, c'est vraiment une amélioration du floor craft, donc encore une fois, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais je vous le montre quand même. Et donc ça, c'est ça le plus important. Vous rappelez-vous que l'arbre stand qu'on fait spawner, c'est un arbre stand qui s'appelle cinématique. Donc on va faire, bon, je vais vous laisser toute la commande en entier parce qu'elle est assez importante. Donc on va ajouter à tous les players donc qui sont des armor stand avec le nom cinématique. On va leur ajouter ce qu'est en cinématique 1 par, encore une fois, par tick de 7 fill clock, autrement dit 20 par seconde. Ce qui fait qu'en gros, si on fait slash command objective set display sidebar, désolé pour le bruit Windows, cinématique, hop, vous voyez que ici il monte. Et c'est comme ça qu'il va monter sur notre armor stand. En gros, on va avoir ce scoreboard là qui monte à cette vitesse là, donc 20 par seconde. Sur notre arbre stand qui va spawner. En l'occurrence, si vous les donnez pour le floor craft, non, putain, ça a lancé, je suis con. Pour le floor craft, ici je fais quelque chose. Il faut que minimum le score soit de 20, ce qui fait qu'il faut que les deux items soient minimum une seconde dans le même rayon. Donc ça va parce que en fait ça fait ça, et ensuite le temps que l'item arrive dans le rayon et se stabilise, en fait c'est à peu près le temps qu'il faut. Donc voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est à partir de maintenant qu'on va commencer la cinématique, au pire, je vais vous la montrer. De toute façon, normalement, je l'aurais mise dans l'intro. On va virer ça par contre, slash scoreboard, objectif, set display, sidebar, none, voilà. Et vous allez voir que quand on met les deux trucs, ça nous fait tout simplement, au bout d'une seconde, spawner ça. Donc, on va mettre un morceau qui a tout ce qu'on a défini. Après, je fais bouger le bras, je fais des bruits de fiole, je change la fiole ici, je fais des particules ici, et des particules autour, des particules de fumée, et hop, il s'envole. Il continue de s'envoler, à un moment il a plus de flamme, et puis il va redescendre. Voilà. Donc ça, on peut le faire à l'infini, je relance, armor, stand et boots. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire slash, camber, objectif, display, sidebar, cinématique. Maintenant vous allez voir, là bon, là celui-là, il va disparaître quand les items vont crafter, vous allez voir que on va avoir l'armor stand qui s'appelle cinématique, vous allez voir ça va augmenter et on va retrouver les valeurs que j'ai mises après ici. Vous voyez, si vous regardez ici, ça va augmenter, voilà, à 40 ça fait ça, à 40 ça fait ça. Là on est à 100, on va arriver à 200, il va commencer à décoller je crois, voilà, vers 200 jusqu'à 350 je crois, il s'envole. 350, il y a des flammes, à 350 les flammes s'arrêtent, et voilà, après il redescend. Donc voilà, après il n'y a plus rien. Mais on pourrait continuer, et puis là j'ai pas rajouté, on pourrait faire plein de trucs encore, on pourrait rajouter plein de playsounds. Bon, par contre le téléphone il va se calmer. On pourrait rajouter plein de playsounds, de choses pour customiser. Là je voulais pas faire un truc trop complexe, mais déjà ça fait une petite cinématique assez sympa. Donc comment on va faire ça? Tout simplement on va faire des exécutes sur l'armor stand qui a donc le nom cinématique, et on va à chaque fois tester, c'est ça le plus important, quel est son score. On va avoir deux types de choses, soit on va exécuter une action à un temps précis pour qu'elle s'exécute qu'une fois, soit on va exécuter des actions sur la durée. C'est pour ça que c'est intéressant par rapport à, par exemple, si vous faisiez ça en redstone avec des repeaters, si vous voulez pendant un moment le faire voler plein de fois d'affilée, et ben vous devriez mettre plein de command blocks et à chaque fois le TP de trucs. Alors que là, vous avez juste, je vais vous montrer après, là en l'occurrence on commence par une action à un seul moment, donc on commence à 50 puisque, enfin je commence à 2 secondes et demie puisque c'est le temps que l'armor stand se mette bien, que les particules de witch disparaissent du craft et tout. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un TC data sur l'armor stand et on lui change la tournure de son bras. Ce qui fait qu'il avait le bras devant lui, je crois, avec la bouteille d'eau. Et là, il apporte la bouteille d'eau à sa bouche. Ensuite, pareil, à 60 cette fois-ci, donc une demi-seconde après, une fois qu'il a bougé le bras, on fait un play sound de random drink, en gros de personne qui boit. On le fait une deuxième fois à 70, non, à 80 je crois, donc une seconde plus tard. En gros, pendant 2 secondes et demie après le spawn, il va bouger le bras. Une demi-seconde après, il va faire un bruit de comme s'il buvait, et une seconde après, il va refaire un bruit comme s'il buvait, et à 80 encore une fois, je crois, ou à 100, donc une seconde encore après,
Je refais un petit état sur notre armor stand et je lui rechange et je lui mets des une bouteille vide à la place de truc. Vous aurez toutes les commandes dans un passbin, enfin vous aurez un lien vers un passbin qui donne toutes les commandes dans la description. C'est pas vraiment le contenu des commandes qui est très intéressant, c'est comprendre le principe en fait. Bon là je peux vous montrer le contenu des commandes, c'est des entity data et tout ça. Mais ça c'est après c'est à vous de customiser la chose pour faire vos cinématiques ou vos scènes animées. J'aime pas trop dire cinématique parce que par cinématique on entendrait comme si y avait un travelling et tout ça. Mais et voilà. Bon dans tous les cas on continue notre truc. Donc là on était à 100. Maintenant on est à 110, donc une demi-seconde plus tard. Et là, vous voyez qu'on on va faire, parce que là pour l'instant on avait fait que des actions qui durent à un instant précis. En play stand, on va pas l'exécuter plein de fois. Pareil pour une entity data, ça sert à rien. Et là on va avoir notre première chose qui va être exécutée sur une durée. Donc encore une fois on va exécuter sur toutes les entités de type armor stand qui s'appellent cinématiques. Et à chaque fois, il va mettre score cinématique min et score cinématique. En gros, c'est entre cette valeur et cette valeur. Donc, si vous mettez deux fois la même, ce sera un temps donné. Et si vous mettez entre deux valeurs différentes, il faut que ça soit la deuxième, la plus grande évidemment. Parce que celle-ci, c'est minimum. Donc, voilà, c'est le minimum. Et bien là, ça va l'exécuter ça sur 240 tics. Pardon, excusez-moi. Donc vous divisez par 20 et ça fait donc ici 12 secondes. Donc pendant 12 secondes, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire des particules de droplets 1.5, 1.5.3. En gros, ça va faire, je sais pas si vous avez vu, c'est les petites particules d'eau. Ça fait un petit peu comme une aura autour de l'armor stand. Donc voilà, c'est sympatoche, pardon. Et donc voilà, bah, c'est juste pour vous montrer le truc sur la durée, encore une fois. Encore une petite quelque chose sur la durée, cette fois-ci, donc on va partir de 110. N'oubliez pas quand t'es toujours à 110 sur notre score. Et jusqu'à 150, donc pendant 2 secondes, on va faire des particules de snow shovel. Donc c'est des particules blanches que vous avez vues au pied de l'armor stand. J'ai un petit peu voulu symboliser, pardon, un petit peu comme si les moteurs s'allumaient ou je sais pas quoi, tout, ces bottes là. Et donc là on a fait ça de 150 à 210 à 150, on l'a vu tout à l'heure, excusez-moi. Et ensuite de 150 à 250, donc pendant 5 secondes, on va faire des particules de smoke. Donc c'est la fumée noire que vous avez vu tout à l'heure, qui en fait pour moi c'est à partir du moment où les moteurs chauffent de plus en plus, et c'est le démarrage jusqu'à un certain point, il y a encore de la fumée, après il n'y a plus de fumée. Parce que je crois que le vol continue jusqu'à 350, un truc comme ça, en tout cas en scoreboard de cinématique, et la fumée s'arrête à 250. Donc ensuite il faut qu'on fasse les flammes du jetpack entre guillemets, et là elle s'active à partir de 200 à 350, parce que en gros l'arme enceinte va commencer à s'envoler, je crois, vers 200 justement, ou vers un tout petit peu après ou un tout petit peu avant. Et donc là bon, ça c'est les particules, du coup elles sont des coordonnées un petit peu différentes puisque il faut les summoner à des endroits bien précis. Donc du coup il y en a deux puisqu'il faut faire les deux traits du jetpack. Là c'est pour le TP je crois, voilà. De 200, donc j'avais bien dit, le vol commence à 200 et finit à 355. Donc encore une fois c'est une action de durée, on va TP l'armor stand à chaque fois de 0,01. Ce qui fait qu'il va monter, après c'est du coup vous changez la valeur du TP pour que votre armor stand se vole plus ou moins vite. Encore une fois vous pouvez manipuler pas forcément des armor stand mais des entités avec des noailles comme des Underman, n'importe quoi, vous mettez des noailles, vous pouvez les TP, changer le mouvement de leur tête et tout. Donc vous pouvez faire vraiment des cinématiques ou des scènes animées comme je préfère dire plutôt que cinématiques. Comme ça. Et donc ensuite ce qu'on va faire simplement c'est que à 360, donc 5 ticks, enfin en gros il y a un quart de seconde après que notre vol soit fini, on va faire un petit data sur l'armor stand qui fait que il perd sa capacité no gravity, donc il va retomber tout simplement tout seul. Ça c'est le Lefty Clock. Donc si je vous remontre, on va essayer de revoir tout ça en détail. Armor stand et diamond boots, voilà, hop. Donc oui c'est cinématique ici, vous allez voir, essayez de suivre le truc cinématique. On a dit que c'était à 2 secondes et demie, donc à 50 hop il bouge le bras, ensuite un premier bruit, un deuxième bruit, hop la bouteille se change. On a les premières particules, les particules de smoke qui vont le vol ça va commencer, elles vont partir, hop voilà, on a les particules jetpack qui ont commencé, elles vont s'arrêter un petit peu avant la fin du vol, le vol s'arrête et hop il perd la capacité de
de lévitation. Donc je vais essayer de vous le remontrer. On va essayer de voir cette fois-ci plus le truc du jetpack. On n'a pas vu à quel moment il s'était parti. Normalement je crois que le vol commence à 200. On va essayer de repérer le début du vol. Armor. Diamond, voilà. Ouais, on va essayer de repérer 200. C'est en gros le moment, je crois, où le jetpack s'allume et où le bleu s'envole. Donc là, voilà, jusqu'à 100, à 100, on va avoir la bouteille qui change. Voilà, les premiers trucs, la fumée noire. Et à 200, attention, regardez, maintenant, ça commence à s'envoler. On a le jetpack qui est parti en même temps. On a toujours l'aura de dos autour, vous avez vu, puisqu'elle a elle dure jusqu'à la fin, jusqu'à 350, je crois. Et voilà, donc bon là, comme vous avez vu, j'aurais pu mettre des bruits de moteur, enfin de moteur entre guillemets, en utilisant certains bruits de Minecraft qui peuvent simuler ça. Mais j'ai pas tellement de place et tout. Mais après, c'est vraiment à vous de customiser. Vous pouvez faire des trucs hyper customisés. Si on se donne du mal, on peut faire vraiment des scènes, des cinématiques qui durent une à deux minutes. Et c'est d'ailleurs peut-être ce que j'essaierai de faire dans ma map 1.9. Peut-être que je ferai une cinématique ou un truc des crédits. Je m'amuserai à un endroit et il y aura une cinématique relativement longue sur ou alors peut-être je le ferai hors de cette map là dans le cadre d'une autre création Redstone, mais ça peut être vraiment pas mal de gérer ça. Donc je sais pas si vous connaissez l'astuce. En tout cas, l'astuce à comprendre, c'est qu'il faut créer un scoreboard, moi j'ai appelé cinématique mais vous l'appelez comme vous voulez, que auquel vous ajoutez donc à partir de l'entité où vous allez faire toutes vos cinématiques, sachant que là vous allez voir, je vais prendre plusieurs diamond boots. On peut en lancer plusieurs en même temps, ils sont tous indépendants puisque on fait ça par rapport à des rayons. Donc hop, j'en lance un. J'en lance un maintenant, voilà. Ils vont absolument marcher tous indépendants l'un des autres, les uns des autres, et ça va, ils vont absolument pas se gêner. Il y a aucun problème avec ça. Bon, du coup, vu qu'il y en a deux et qu'il y a pas mal de particules, ça va faire laguer si vous en lancez trois à la fois, mais enfin voilà, ils sont indépendants, il y a aucune raison qui crée de problèmes entre eux. Et bon voilà, là si je change certaines valeurs, par exemple si je mets l'armor stand, on va essayer de le faire sur moi, allez, si je mets l'armor stand en invisible et que j'enlève small, small 2 points, ouais, on va le gérer, on va mettre invisible à la place, je crois que, je sais pas si je l'avais déjà placé, que j'ai mis invisible 2.0, sinon ça va faire bugger. 2.1, là je l'ai pas mis. Qu'est-ce que je peux changer du coup? Il faut que je change quoi? Cette épée plus l'armor stand, mais non, en fait il faut que je fasse un truc qui me TP tout simplement tout le temps l'armor stand. Slash TP roulio at e type égale armor stand name égale ciné. Bon là je le fais vraiment à l'arrache, hein. Cinématique, mais vous pouvez faire interagir des joueurs comme ça. Je pense que si je fais comme ça devrait marcher. Je vais chercher des bots. Normalement, bon, ça va peut-être pas marcher. J'ai dû oublier quelque chose, je pense. Mais dès que ça va, voilà, ça me TP ici. Et si on se met en F5, vous allez voir, hop, vous allez me voir partir. Mais du coup, c'est là où il s'est mis invisible, mais j'ai pas viré ses armures. Et en gros, voilà. Bon, je peux pas tourner la tête parce que ça me TP constamment. Mais je fly avec la personne. Donc si on enlevait l'armor stand, en fait, on pourrait croire que c'est moi qui fly. Donc ça peut être sympa de faire des cinématiques, même avec des joueurs, vous allez voir. Et puis. Ça enlève le no gravity, donc encore une fois, par contre j'aimerais bien casser ça. Slash kill at e type égal armor stand r égale 2. Allez hop, casse-toi. Voilà. Et c'est parfait. C'est parfait. Moi je voulais vous montrer ce que ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à aller voter pour le prochain épisode. Voilà, j'aime bien faire les tutoriels en bloc, c'est sympa, on discute et je vous présente les choses. En principe vous aimez ça aussi. Donc moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et ciao.